matin, on doit préparer les préparations de entrées, des desserts. On doit tout mettre en place avant que les clients arrivent à 11h30. Et à 11h30, selon le poste qu'on a, on doit servir les clients. Accueillir les clients, servir, avoir toujours le sourire. Que ça, c'est très important dans la restauration. C'est en lien direct avec la clientèle. Contrairement au métier de cuisinier, c'est celui qui va représenter face aux clients tout ce qu'on peut élaborer. Et c'est un rôle important. Chaque semaine, on ne fait jamais le même poste, c'est ça qui est bien. C'est qu'on peut faire aussi bien la plonge, on peut faire la rapide, la méridienne au milieu, les caisses. Si on est agent de restauration confirmé, après on fait un petit peu d'administratif aussi, l'entrée de facture, là, un peu de gestion. L'hygiène, c'est très important. Quand vous faites quelque chose, une entrée ou n'importe quoi, il faut toujours se laver les mains. On doit se laver au moins les mains une quarantaine de fois par jour. Ce métier est un métier en voie de développement, en voie de modification, c'est-à-dire que de par le module grillade, les agents de restauration vont pouvoir basculer dans les unités de production chaudes, sur des tâches un peu plus simplifiées que cuisinier, mais bon, pour lesquelles il y a l'accès possible en cuisine. Je pense que dans la restauration collective, on apprend plus de choses et que dans la restauration traditionnelle. Surtout la restauration, c'est formidable. Ah oui, c'est quelque chose qui est très bien la restauration. Surtout, il faut aimer ce qu'on fait. Voilà, et après, ça va tout seul, quoi.